Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs, chers youtubeurs, chers amis de la LNH TV. Alors aujourd'hui nous avons un match au sommet pour cette quatrième journée de Pro League en une rencontre entre Tremblay en France contre Bière. Ces deux équipes sont actuellement au classement identique puisqu'ils ont tous les deux 4 points. Et nous avons le club de Tremblay qui est à la 5e place au nombre de points de 4. Et Bière qui est à la 7e place avec aussi 4 points. Autant dire que ce match va pouvoir déterminer qui laissera l'autre sur place. À partir de là, à partir de ce match, il y a 2 points à attribuer. Soit Tremblay passe à 6 points, soit c'est nos invités du soir qui sont Bière, qui auront ces fameux 6 points. Nous pouvons aussi se partager les points, ça veut dire que nous pouvons avoir un point dans chaque équipe, mais ça, ce n'est uniquement en cas de match nul. Alors, tout simplement, un match au sommet, c'est l'affiche de cette quatrième journée, parce que, sans faire le tour des stades, nous avons aujourd'hui un certain nombre de matchs de Pro League qui va débuter très rapidement, ou qui ont déjà débuté, puisque nous avons nos voisins ivriens qui se déplacent à Besançon. Nous avons Massy qui se déplace à Strasbourg et que le match aussi a débuté. Nous avons Sarrebourg qui joue aussi dans le Grand Est, comme Sarrebourg en est aussi, et qui va aussi débuter. Et nos amis et voisins pontellois, eux, reçoivent le SCO d'Angers. Tout ça pour vous dire que le début de match va débuter très prochainement. Actuellement, c'est la présentation des équipes. Et je vais vous laisser écouter, apprécier à l'annonce de chaque joueur la ferveur des gradins. Parce que nous avons à Tremblay mis en place un certain nombre de manifestations où nous avons la Bodega, qui est un fameux bistrobar avec notre bière, notre boisson légèrement alcoolisée, qui est local, qui est fait par nous-mêmes et qui est en vente pour nos chers téléspectateurs. Nous avons aussi un coin d'animation, la cabine photo. Cette cabine photo, vous pouvez vous immortaliser aux effigies de Tremblay ou à l'effigie de Tremblay, plus simplement. Et nous avons une boutique très sympathique où vous pouvez partir avec un certain nombre de denrées de Tremblay, des casquettes, des ballons, des maillots. Tout cela, bien sûr, dans l'enceinte de Tremblay. Là, nous allons d'abord assister à l'entrée de l'équipe de Bière. Et quand l'équipe de Bière rentrera sur piste, nous avons l'équipe locale qui est Tremblay qui va pouvoir faire une présentation nominative. Nous avons aussi un carré VIP qui est placé au centre des débats, pas très loin de la Bodega, nos fameux bar bistro. Et cette Bodega est comme un salon. Super showroom, un super divertissement pendant, avant, après la manifestation. Et je vous invite fortement à venir. Si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas à prendre votre véhicule ou de venir à pied en ces temps d'écologie et de venir apprécier ce match en direct live. Sinon, vous pouvez largement rester à mes côtés pour pouvoir suivre ce match. Les deux équipes se présentent pour pouvoir rentrer, pour lancer le combat. Normalement, le match va débuter dans 6 minutes à peu près, le temps des présentations. Là, nous avons le protocole Pro League qui s'est mis en place avec les jeunes du club. Les jeunes du club qui arrivent à mettre le drapeau Pro League pour assister, pour tous les officiels sachent ce qui va se jouer et dans quel cadre. Ça me fait profiter, j'en profite pour vous parler quand même de ces deux équipes qui se sont déjà rencontrées par le passé sur deux, toujours sous la LNH, soit en Pro League, soit en Lidl Star League, ou on va dire la Likimolistar. Et à ce petit jeu, pour l'instant, c'est Tremblay qui remporte la mise. Sur ces 4 rencontres déjà faites, nous avons l'équipe de Tremblay qui a remporté 3 fois contre Bière.
Et Bayern nous a gagné une fois. Et ça, c'était au match retour de Pro League. Ça veut dire que, comme on peut déjà se le dire, que ce match va être haletant. Connaissant l'entraîneur, je pense que l'entraîneur de Bière, je pense qu'il n'arrive pas en terrain conquis. Il a préparé son équipe pour pouvoir mener bataille contre cette équipe de Tremblay. Ah. Là, nous avons actuellement l'entrée de Bière. L'entrée des équipes de Bière avec son capitaine Vergely qui, comme à son habitude, va nous amener un gros match qui est une valeur sûre de cette Pro League. Là, nous avons les joueurs qui manifestent leur envie d'en découdre et ça, c'est pas mal, ça donne, c'est de bon augure pour la rencontre parce que je pense que c'est sur ce terrain qu'il y aura du spectacle et qu'il y aura du fil à retordre pour cette quatrième journée. Là, le capitaine de Tremblay, Arnaud Bigot. Je vous laisse écouter avec le speaker. Les joueurs rentrent avec les jeunes moins de 14 du club. Ben, j'en profite pour vous dire que ce match sera arbitré par une paire féminine. Une paire féminine pour ce match de Pro League, c'est Hélène Sauval et Amandine. Et c'est une rencontre qui, à mon sens, sera très appréciée par vous et très appréciée par moi. Et j'espère que vous aimerez mes commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la rencontre, sur le déroulement du match et tout autre via le chat. Nous avons un chat via YouTube où vous pourrez nous dire vos impressions et vos avis. Fin du protocole. Les équipes se saluent. Les dernières consignes vont être données. Les derniers rafraîchissements vont être pris. Et l'arbitre donnera le coup d'envoi de cette rencontre. Laissez-moi quand même vous parler de l'équipe de Bière qui se présente à nous. Je vous ai déjà parlé de quelqu'un qu'il ne faut même pas vous présenter. C'est le capitaine et pivot de cette équipe de Bière, qui est ce fameux Jérémy Vergely, qui porte le numéro 13. Et espérons pour Tremblay que c'est un numéro de malchance pour Bière et pas un numéro de chance pour Bière.
Et nous avons quand même dans le top de cette équipe, bien sûr, ce Jérémy Gervelli, meilleur buteur de cette équipe, qui a 67% actuellement pourcentage sur le ratio tir-but. Nous avons aussi un autre joueur qui, parce qu'il est bien parti, il est déjà 45 arrêts, je vous dis bien 45 arrêts en 3 rencontres. En 3 rencontres, il a 45 arrêts. Ça veut dire que ça nous promet qu'il a l'assurance déjà de nous faire 10 arrêts, au minimum 10 arrêts à ce match. Et il tourne à 37%, ce qui est très honorable pour lui. Au niveau de Tremblay, nous avons, bien sûr, je vais vous présenter au fur et à mesure avec la proposition d'équipe. Nous avons Adil Cohen, le meilleur buteur, à 57%. Et nous avons Cyril Dumoulin, qui lui n'est pas loin de son alter ego d'en face, avec 41 arrêts, mais au pourcentage est bien devant de 2%, parce que lui, il cumule à 39%. Sans oublier notre maître à jouer, le demi-centre Marco Matiasevic, qui lui, comme on connaît à son habitude, avec son numéro 10, va pouvoir nous monter toutes ses prouesses et toutes ses qualités lors de cette rencontre. Alors, notre entraîneur Joël Da Silva, l'entraîneur de Tremblay plutôt, Joël Da Silva, a fait la composition d'équipe avec Étienne Moquet qui commence à l'aile gauche, Adir Cohen arrière gauche, demi-centre Marian Chouef, et nous avons Marco Matiasevic, demi-centre arrière droit. Nous avons notre ami Soucy et Jordan Camareo, ailier droit. Bonne rencontre à vous, le salut est donné. Les salutations sont faites, tout le monde est d'accord, on se salue gentiment et maintenant à vous la bataille. Lâchons les fauves pour Bière, pas pour Bière, pour Tremblay, et Bière, attaquons cette montagne, ce qu'ils savent faire très bien dans les Pyrénées. Petite mise en place, rotation, Soucy, doigtier à droite, attaque en duel, temps fort. Ah, très très belle passe, très très belle passe. Pas converti par Marwan Chouef, qui n'est pas converti du tout. Mais une fois de plus, Marco Matiasevic nous a démontré toute sa lucidité devant les adversaires. Maintenant, balle à Bière. Bière qui, pareil, on fait les salutations pour surtout ceux qui n'étaient pas sur le terrain, parce que nous avons un changement effectué. Et c'est à Bière de savoir si c'est eux qui marqueront le premier but. Ah, joli temps fort, pas mal. C'était très bien joué de Bière. Ah, il échappe de très peu, Jordan Camareo. Échappe de très peu à une sanction disciplinaire parce que le ballon est venu heurter son pied. Très bien joué. Et arrêt de Cyril Dumoulin. On voit que cette équipe joue, manie très bien la balle. Sous la montée de balle. Arrêt du gardien sur Marian Chouef, qui lui est à deux tirs ratés sur deux tentatives. Et nous avons les deux gardiens, comme je vous l'ai dit, le duel du jour pour moi, ce sont au niveau des gardiens. Ils sont déjà à un arrêt chacun. Mise en place de Bière, petit enfant, encore une solution à 6 de cet arrière droit. Du moins, il finit arrière droit, mais il était demi-centre, le numéro 11 de Bière, qui s'appelle, comme je vous le donne tout de suite, Doudo Valentin. Ça y est, rotation du ballon, petite mise en place, sortie de Jordan Camareo au poste d'arrière droit, petit tourne autour et ça accélère. Il rentre au deuxième pivot, c'est donné, le jeu est donné. Ah, c'est pas mal, encore un arrêt. Alors on va considérer que là c'est pas un arrêt, c'est une parade parce qu'on ne bénéficie pas du ballon. L'équipe de Bière ne bénéficie pas du ballon, ce n'est pas un arrêt, mais juste une parade. Ah, Adir Cohen dans ses œuvres, égalisation de l'arrière gauche.
Là, le changement va s'effectuer avec Willan, ancien de Tremblay, qui défend le numéro 3 et qui monte la balle. Ah, ça commence à monter dans les radins. Les enfants, les jeunes de Tremblay donnent de la voix. On les entend. Ça demande une défense un peu plus rugueuse. Ça fait deux tirs à 6 mètres. Pas mal, pas mal. Joli le compte. Bien inspiré. La balle est gardée. Ah, c'est bien joué. Ça ressemble à une petite défense en zone quand même. Ça garde bien le ballon. Il est surveillé, ce fameux Jérémy Vergeli. Ah, dommage, dommage, dommage. Récupération de balle de Tremblay. Et qui monte cette balle. Ah, oh, souci quand même, souci qui gagne son duel. Arrive à s'y mettre, par contre, ne convertit pas le tir, mais bénéficie d'un pénalty. Ce pénalty sera exécuté par Étienne Moquet, le numéro 34. Ah, tir hors cadre. Par contre, on peut souligner quand même une belle présence de ce gardien, comme je vous l'ai dit bien avant. Ce gardien qui a une très très belle présence, une belle prestance, une belle présence devant les tireurs. Et qui, est-ce que c'est pas lui qui a fait déjouer ce fameux Étienne Moquet? Perte de balle de Bière. Perte de balle de Bière, le numéro 3 reste à la main. Fabien Ruiz. Ah, encore une perte de balle. Il commence à en avoir un certain nombre dans ses premières 5 minutes de jeu. Encore une finition à 6 mètres. Ce numéro 1, Doudo Valentin, qui passe à 2 buts. Là, pour l'instant, Tremblay recherche très souvent son pivot. Et pour l'instant, pas avec beaucoup de réussite, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas eu de but, même s'il a pu en s'en saisir au moins une ou deux fois. Ça redonne de la voix pour l'attaque. On garde le ballon. Le bras peut se lever à n'importe quel moment, puisque le gardien n'a toujours pas effectué de parade. Et c'est maintenant Tremblay de perdre le ballon. Comme à l'habitude, Jérémy Vergeli, toujours aux avant-postes, un vrai pivot, regagne les 6 mètres très facilement et convertit son tir. Nous sommes actuellement à 3-1 au score. Tout ça pour vous dire aussi que quand même, il ne faut pas oublier que Bière est l'une. Ah, but de Étienne Moquet qui est entré en deuxième pivot. Ça, il faut le souligner. Étienne Moquet qui marque l'un de ses premiers buts en Pro League cette année. Et aussitôt, puni par le numéro 34. Le numéro 34, Valentin Torrico, qui marque le quatrième but. Alors, ce qui me faisait vous dire que quand même, Bière, ce n'est pas des maladroits devant le but, puisque dans ce championnat Pro League qui vient de commencer, ils sont déjà à la cinquième meilleure attaque de cette Pro League. D'accord. Et en même temps, je vous ferai dire que Tremblay n'y est pas. Ça veut dire que quand même, c'est une équipe qui sait attaquer, qui sait mener les débats, quel que soit le nombre de championnats, le nombre de matchs disputés dans ce championnat. Ah, souci. Ah, ce soir, il est présent. C'est le deuxième duel qui gagne. Et le premier qui convertit. Ah, ça répond aussitôt. Pas le temps de se regarder, ça répond aussitôt. On a,
Pas le temps de faire une défense placée. Pas le temps de retrouver ses repères en défense. Aussitôt, ils arrivent et ils déposent, ils s'imposent. Là, nous, on se remet en place tranquillement. Nous avons quand même deux buts de déficit, mais nous avons quand même joué que la 9e minute. Même schéma, maintenant c'est Jordan Camario qui rentre en deuxième pivot, rentré sans ballon. Et sous le même schéma, là Jordan reprend son poste d'aile. Là c'est Étienne qui rentre à son tour. Pareil, une répartition des joueurs, les joueurs ça joue. Ah, et ce fameux Cohen qui vient remettre les pendules à l'heure. Pareil, on ne laisse pas le temps de placer, tout de suite on joue avant de jouer, impeccable. On voit clairement le projet de jeu de Bière, c'est de ne pas laisser Tremblay disposer de sa défense. Ce qui me permet de vous dire que Tremblay, par contre, est la troisième meilleure défense de ce championnat après trois journées, qui n'encaisse en moyenne que 25 buts 33, qui veut dire que du coup, je comprends que cette équipe de Bière préfère jouer sur ce qu'on appelle le grand espace. Préfère jouer sur le grand espace, préfère jouer sur une désorganisation défensive de Tremblay que attendre qu'ils se mettent en phase 2. Je tiens à souligner quand même que Cyril Dumoulin vient d'effectuer une très belle parade à l'aile. Malheureusement, on n'a pas pu récupérer la balle, sauf pour nous dire que c'était une parade. Là, c'est un arrêt parce qu'il récupère le ballon, ce qui le fait cumuler à un deuxième arrêt de plus, mais au moins à deux parades de plus. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais nous avons Joël Da Silva qui, lui, harangue ses joueurs pour leur donner une consigne, pour transmettre un message, apparemment pas forcément bien compris. Et il a ce souhait. Ah, le 7 mètres et 2 minutes à mon avis. À mon avis, là, il y a 2 minutes parce que notre ami Marco Matiasevic se retrouve au sol pour un arrachement de bras. Peut-être très maladroit, mais sûrement dangereux. Et là, ce 2 minutes a été coupé par le numéro 28. Ce numéro 28, Dos Santos Osvaldo, qui joue actuellement arrière droit, mais qui est ailier droit, mais de temps en temps vient taquiner notre défense au poste d'arrière. Deuxième pénalty raté quand même, c'était la balle d'égalisation. Et là par contre, il ne faut pas qu'à la fin du match on se demande où sont passés ces tirs ou ces buts qu'on aurait voulu. Alors là pour l'instant il n'y a pas feu au lac. Là pour l'instant on est bien, on n'est encore qu'à un but d'écart. On ne va pas crier au feu quand il n'y a pas encore le feu. Je tiens quand même à vous signaler que cette équipe de Tremblay, c'est un diesel. C'est un diesel qui a du mal à débuter ses matchs. Mais par contre, quand elle rentre dans son match, ça peut être très très dangereux pour l'adversaire. On n'a pas encaissé le but. On est encore en place. On est en supériorité numérique. Pour Tremblay, tout va bien. Pour Bière, le but là, c'est de faire durer cette attaque et bien sûr s'ils peuvent récupérer cette balle. Petite mise en place, circulation de joueurs, circulation de balles et on se retrouve à 6 mètres. Ah, passage en force. Passage en force de, apparemment signalé par les arbitres. Récupération, en gros, là on se rend compte que tant bien que mal,
que Bier, au bout de 1 minute 50, n'a toujours pas encaissé de but. Et se retrouve avec la balle et voire même passer à plus de... Il rend la balle à Tremblay. Je ne pense pas que ça soit voulu. À croire que nos Tremblaisiens préfèrent jouer à 6 contre 6, préfèrent jouer à armes égales contre ses adversaires, parce qu'à 5 contre 6, on ne marque pas de but, à 6 contre 6, on en met 5. Encore un arrêt de Cyril Dumoulin. Encore un arrêt sous Cyril Dumoulin. Ah, toute l'expérience de Soucy. Toute son expérience. On ne pourra pas nous dire qu'on ne le savait pas, que ce garçon est très expérimenté et a pu faire bénéficier de sa green test et de voir que Bier effectuait des changements pour pouvoir les prendre à défaut. Et là, bien sûr, hein, à ce petit jeu, c'est ce que je pensais, puisque c'est quand même un match au sommet. On se rend coup pour coup. On se rend pouc pour coup. Oh, très joli tir. Et là, aussitôt qu'on marque, aussitôt Billard marque. Et aussitôt, on veut rendre l'appareil. Ça ressemble à un petit match tendu. Nous sommes là à la 15e minute, la 16e minute de la rencontre. Et on se dit bien que cette équipe, quel entraîneur va prendre son temps mort, va pouvoir réguler son équipe pour pouvoir dire voilà comment ça se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, pour donner leur dernière consigne. Ah, joli, dommage, très beau tir, par contre très belle, très très belle parade. Très très belle parade de Cyril Dumoulin qui fait toucher le poteau. Malheureusement pour Bière, il y a un tir exécuté après la demande de temps mort de l'entraîneur de Bière. Ce qui fait que Bière conservera le ballon. Conservera le ballon, mais n'aura pas le but marqué par Vergely. Petite animation à la mi-temps. Au temps mort plutôt, petite animation. Avec des pancartes qui demandent au public de faire du bruit, de crier au plus fort, de s'élancer, de donner tout ce que vous avez. Et bien sûr, comme récompense, des cadeaux. Je vous rappelle quand même le score. Le score est de 7 pour Tremblay, 6 pour Bière. Balle pour Bière. Petite balle pour Bière. Pour pouvoir convertir le jeu. À mon sens, les arbitres n'avaient pas levé le bras sur l'action. Là, les arbitres n'avaient pas levé le bras. Ils bénéficient encore d'un bon temps de jeu pour pouvoir mettre en place les consignes données par Daniel Deherme, cet entraîneur de Bière, qui arrive après Arnaud Villedieu, l'emblématique entraîneur de Bière, remplacé par Daniel Deherme, qui fait du très bon boulot puisqu'il est sous sa deuxième année. L'année dernière, c'était de la mise en place. Cette année, dès le début de saison, se retrouve tout de suite en haut du classement. Ah, malheureux, malheureux, malheureux. Après un temps mort, nul n'aime perdre la balle. Bien au contraire. Ah, il leur fait du bien, ce gardien. Il leur fait vraiment du bien. Dommage que Étienne choisisse de tirer un tir mi-hauteur parce qu'il avait peut-être d'autres solutions à faire, mais comme je vous dis, il a un très joli positionnement, ce gardien, très bien orienté, où il donne très peu de solutions
où il te donne des solutions, mais il les ferme aussitôt. Qui veut dire que c'est un gardien, je ne dirais pas piégeur, mais qui est vraiment lecture du bras du tireur. Score toujours inchangé depuis le temps mort. Ah, il le trouve, il le trouve, il le trouve, il le trouve. Ce véritable poison, virus. Et ils y arrivent, hein. Ils y arrivent, ça joue bien, tout le monde le sait. Ce pivot, il sera cherché, il sera recherché. C'est un serial buteur. Et malgré tout, toutes les équipes, et pas que Tremblay, toutes les équipes, eh ben, arrivent à en prendre leur besace. Hein. Toujours Tremblay qui évolue avec un droitier à droite. Parce que tout ça pour me faire vous dire que Ziba, l'arrière droit habituel, est blessé. Ne pourra pas disputer la rencontre, n'est pas sous la feuille de match. Très joli arrêt. Très, très belle montée de balle. Bonne distribution de balle. Ils se sont partagés le ballon. Il a fallu juste que le gardien de Tremblay, Cyril Dumoulin, puisse mettre terme à cette circulation de balle et qu'on récupère la balle sans aucun préjudice de but. Les premières rotations s'effectuent avec à la sortie du demi-centre de tout le côté gauche plus le demi-centre parce que nous avons maintenant sur le terrain Arnaud Bigot, notre Cubain Rios et Alan Vilmino sur le terrain. Bien sûr, dès le début, nous avons eu Mathieu Bataille qui est rentré au poste de pivot. Et à l'aile droite, Tahu Lufun Nitu qui remplace Jordan Camareo. Que je suppose qu'on va le revoir très prochainement sur un poste d'arrière-droit pour faire souffler Souci. Troisième tireur de pénalty, nous avons déjà raté deux. Et là, c'est notre Marco, notre passeur habituel, Marco Matiasevic, qui lui convertit le troisième pénalty concédé par Bière, mais réalisé, effectué par Tremblay. On y va, mise en place. Toujours pareil, très très bien, très filou. À partir du moment que le demi-centre, le défenseur recule sur ce petit demi-centre en dribble, il en profite malgré cette grande taille de Fabien Ruiz. Hein. Il est très très grand, il est immense, contrairement à ce demi-centre qui me paraît du commun du mortel. Et on me fait dire que Fabien Ruiz, et lui, fait 2m03. Et il a dû se servir de ses 0-3 pour lui faufiler cette petite balle. Et là, c'est vraiment pas mal parce que Tahu Lufun Nitu, il nous en fait planer. Il nous fait planer parce qu'à chaque match à domicile, il reprend présent. Il est là, ce garçon. Il parle pas beaucoup, il s'intègre petit à petit. Et là, il marque son premier but sur un service de Rios, sur une passe pivot, parce qu'il était rentré en deuxième pivot. Pareil, petite rotation. Pareil, on sait qu'il faut survivre. Oh, pas mal. Le numéro 15 qui enfonce un peu plus. Montée inversée, on libère encore la balle, ça circule encore la balle, et il est déjà passé. Oh magnifique. Oh là là, après la passe décisive, là il nous régale avec un coup de poignet que nous appelons dans le handball une roucoulette. Il a fait roucouler cette balle sur ce terre-plein bleu. Où le gardien, bien sûr, avec une telle présence, il a fallu le contourner.
Dieu seul sait qu'il est assez mal affûté pour ne pas s'en prendre deux comme ça, ce petit Labro. Pareil, petite mise en place, maintenant sur le côté gauche. Dommage, dommage, dommage. Sifflé légèrement peut-être trop tôt pour l'équipe de Bière. Ah, ce n'est pas la... C'est la première faute qui a été sifflée, pas la faute sur le pivot. Alors, ça joue. Pareil, entrée en deux de l'ailier gauche. L'ailier gauche rentre en deuxième pivot, il tombe au sol. L'arbitre ne siffle rien. Petite béquille apparemment. Petite béquille, la manière dont il se tient, petite béquille. Je n'ai pas les images pour vous dire, il n'y a pas de ralenti malheureusement. Pour vous donner un peu de précision. Comme on dit si bien au foot, on parle de la VAR. Eh bien moi je n'ai pas la VAR pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes encore mano à mano, mais nous menons encore au score. Parce que nous avons un petit but d'avance sur cette équipe de Bière au bout de 22 minutes de jeu. 21 minutes 30 tout précisément. Ah, dommage sur cette recharge du pivot. La montée de balle est donnée. La montée et Alan Villemulo monte la balle. Très très bien défendu. Pas trop d'agressivité, bien défendu, bien replacé. Et ça permet que tout le monde puisse se ressaisir. C'est très bien joué. On dit très bien que la petite faute salvatrice hein, des fois. Hein. Une faute, on pourrait l'appeler d'une faute salvatrice. Ah non, alors, c'est bien dommage. C'est bien dommage. L'arbitre Amandine Vahe qui a décidé que Dos Santos Osvaldo méritait un 2 minutes, à mon avis. Et c'est son deuxième 2 minutes. Malheureusement, ça va changer peut-être les plans de l'entraîneur. Ça va changer peut-être les plans de l'entraîneur. Mais à mon avis, il y a le rapport physique parce que il n'avait pas vraiment fait une faute antisportive. Il avait juste subi le rapport de force de ce fameux Rios. Mais les arbitres, on en a décidé autre hein, et en avant chacun son avis qu'on doit respecter. Sortie du gardien de Bière, le but est vide. Le but est vide. Et maintenant, Daniel Deherme, l'entraîneur de Bière, préfère préserver son équipe en gardant son but, son gardien dans le but. Et son équipe joue à 5. Derrière, on multiplie les permutations. On change de secteur. On casse les repères défensifs pour trouver une solution, soit à 6, soit à 9. Sur cette infériorité numérique. Le bras est levé. Ah, petit flopping. Je pense qu'il sera réprimandé là-dessus. Arnaud Bingo. Je vous ai dit que ce gardien a de la présence. Ce gardien, il a de la présence. Il aime bien, il a un placement. Il a un placement, il est généreux. Il induit en erreur. Et derrière. Là, nous avons notre ami Arnaud Mingo qui se plaint qu'on lui ait marché sous le pied au moment de l'impulsion. Peut-être. Mais souvent, quand les équipes sont en infériorité numérique, il donne pas trop d'avantages. Il demande des fois aux équipes qui sont assises de pouvoir chercher la faute. Réduction du score de Bière. Arnaud Mingo qui monte au créneau. Oh, petit marché. On revient à la faute pour ce petit marché sous cet engagement rapide de ce fameux Arnaud Bingo, capitaine de Tremblay. Là, à mon avis, ça ne va pas plaire aux arbitres. Arnaud se met à parler, à réclamer. Je pense que ça peut chipoter un tout petit peu. N'hésitez pas au niveau du chat d'alimenter, de nous dire ce que vous pensez de cette rencontre que nous considérons comme une rencontre au sommet. Donnez-nous votre avis. Est-ce que c'est le match phare pour vous pour cette journée ou encore que c'est un match qui peut-être au fur de la saison nous dira un peu plus de vérité. Là actuellement, Monsieur Joël Da Silva, entraîneur de Tremblay, demande son temps mort. Nous avons un show qui se prépare pour pouvoir demander aux équipes, aux supporters
de donner de la voix, de crier, de se lancer pour avoir un petit cadeau. Là, nous avons actuellement Joël Da Silva qui donne ses consignes parce qu'il nous reste très peu de temps, il nous reste moins de 5 minutes, moins de 5 minutes de jeu pour pouvoir s'écarter de cette équipe parce que être aussi proche à la mi-temps peut leur donner des idées. Je ne demanderai pas de tuer le match, je ne demanderai pas à Bière de s'effondrer, mais bien au contraire, que ces deux équipes nous donnent du rapport de force, nous montrent que le handball nous donne de la joie, parce que le handball c'est du spectacle. Et pour avoir du spectacle, il faut deux équipes. Fin du temps mort. Espérons que nous, au temps mort, nous allons pas, l'équipe de Tremblay ne va pas perdre la balle, ce qui arrive de manière très récurrente pour des équipes qui donnent 2 minutes. Ah non. Nous avons l'équipe de Tremblay qui a converti son tir par M. Arnaud Bingo, qui bien sûr avait envie de démontrer que le tir de précédent, c'était pas voulu qu'il soit raté, comme chaque tir, on suppose bien. Ah, pas mal. Pas mal sur ce numéro 3 dans sa prise de vitesse, mais pas mal aussi sur ces tours géantes qui ont mis les bras pour pouvoir contrer. Très bonne réponse défensive et aussi bonne attaque. Bonne attaque. Là, l'intervalle s'est refermé devant ce petit demi-centre numéro 11, nos fameux Doudo Valentin, qui par sa vivacité arrive à mettre des temps forts pour pouvoir dynamiter même cette défense. Pour jouer avec ses coéquipiers. Le score est de 12 à 10. Il était demandé de nettoyer le terrain par les jeunes de moins de 14. Merci les gars, on peut les introduire. On me dit que sous le chat, nous avons Cindy. Cindy qui a laissé un petit commentaire sympathique. On remercie Cindy de participer à ce chat, de mettre de la vie à ça. Parce que c'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée, qu'on partage, qu'on participe, que ce soit dans les gradins, que ce soit chez vous, que ce soit où vous voulez, devant votre poste de télévision, devant votre téléphone. Et bien, je remercie encore Cindy et je n'attends que les autres pour aussi vous remercier, quel que soit ce que vous direz. Nous avons Tahu. Lufunitu, et c'est pas évident pour moi, hein, mais je vous le dis, Lufunitu qui rate le tir sur une montée de balle un peu excentrée, bien sûr par ce gardien, et qui mérite qu'on le salue et qu'on le mette en avant. Parce que c'est quand même un des hommes forts de cette équipe. Oh, ballon chippé par Nomingo. Tout de suite, l'équipe met en place. Le changement n'a pas pu être effectué. On retrouve encore le numéro 11 qui défend contre Souci et qui, bien sûr, il y a un changement défensif. Du coup, il passe à un 5 homme à homme suite au changement qui n'a pas pu être effectué. Et est-ce que Tremblay pourra s'adapter? Parce qu'ils ont du mal. Ils ont du mal de voir que la circulation de balle est perturbée. Ah, c'est très très bien, c'est très très bien joué défensivement. C'est juste un problème d'ajustement sur la passe, parce qu'il y avait la solution. Et donc chaque balle compte. Oh! Oh! Arnaud Mingo a décidé sur ce match de profiter sur ses montées de balles, de jouer les engagements rapides. Et mine de rien, en restant un peu stérile pendant 2 minutes, eh bien oui, l'autre équipe n'est pas stérile. On est à 12-12. Nous avons un score de 12 à 12.
inégalité, pas parfaite, parce que l'égalité parfaite c'est 0-0, ça change rien, mais 12 et 12, qui veut dire que un match a le temps, un match qui donne du suspense, et oui c'est ça la quatrième journée. La quatrième journée, le match au sommet, c'est Tremblay qui reçoit Bière. Alors dites-le à votre entourage et venez, venez nous regarder, venez supporter vos équipes. Qui veut dire que devant votre écran, allez Bière, devant votre écran, allez Tremblay. N'hésitez pas à crier, tchatcher, donnez-nous de la voix par vos écrits. Ouyos, tentative de duel sur le numéro 3. La balle circule moins, on est plus dans le duel. Nous avons Rios qui est dans le duel, nous avons Vilmino qui est dans le duel. La balle circule moins. Voilà, là ça commence à avoir des rotations de joueurs. On est dans le partage du ballon. Et à la fin, on a des intervalles qui s'ouvrent, qui changent, qui bougent. Rios qui nous fait partager son deuxième houkoulette. Sa deuxième houkoulette, désolé. Deuxième houkoulette de Rios. Et sur cet engagement rapide ou la désorganisation de la défense tremblaisienne, on profite le numéro 15 de Bière pour prendre en duel Léonal et qui oblige Cyril Dumoulin à faire l'arrêt. Du coup, on écope d'un 2 minutes. Qui va être tiré par le numéro. Je vois pas son numéro malheureusement. Alors je ne saurais vous dire. Ah le 7, le numéro 7. Ah oh, joli tir. Ah oh, joli tir. Comme on dirait bien, on pourrait l'appeler, c'est un tir d'Eduardo qui manque de respect même. Qui manque de respect à notre champion du monde, champion d'Europe, parce qu'il lui jette une petite balle. On va dire ça comme ça, non, réellement. En toute sincérité, c'est un joli Chabala. Un joli, joli Chabala fait par ce numéro 7. Cette vitesse de balle qu'il n'y a pas. Cette vitesse de balle qu'il n'y a pas, qui est une balle souvent portée, malheureusement. Ah ! On retrouve encore à 13-13. 13-13 à la mi-temps. C'est le numéro de Jérémy Vergely qui nous portera chance ou malchance, comme je vous l'ai dit au départ. Est-ce qu'on va garder ça comme fil rouge? Jérémy Vergely, numéro 13, 13-13 au score, l'un des meilleurs buteurs de cette équipe. On vous laisse pour une petite page de pub de quelques minutes ou quelques secondes. Et après, on vous parlera du chargement du 93. Allez prendre une petite collation et revenez-nous vite. Merci. J'écoute. Que vous êtes à l'équipe de première date.
L'équipe de Sevran, est-ce que l'équipe de Sevran est là? Eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, chers téléspectateurs, alors vous assistez là, vous voyez actuellement des images. Ces images, c'était des jeunes de Tremblay et du 93, parce que Tremblay a mis en place ce qu'on appelle le Challenge 93. Et ce Challenge 93, qu'est-ce que c'est? C'est ouvert à des équipes U14 du 93 pour pouvoir, sous forme de petits ateliers, se créer le petit challenge. Et à chaque fois, on sortira un vainqueur. Et nous avons sur un certain nombre de matchs, à chaque mi-temps, cette association des équipes du 93, des équipes de Tremblay, des équipes proches, des équipes lointaines, mais du 93, pour pouvoir se challenger, pour pouvoir leur amener autre chose. C'est pas une confrontation directe, il n'y a pas de rapport de force direct, mais sous forme d'atelier, ils arrivent à se confronter, soit sur de la vitesse, soit sur de la précision du tir, avec bien sûr, avec tous les organes de handball des joueurs, une cible et bien sûr un gardien. Et ça, ce sont les organes du handball. On ne peut pas jouer si on n'a pas une opposition orientée vers une cible qui est gardée. Et là, nous avons assisté à un petit match. Je n'ai pas qui est vainqueur de ce petit challenge. Mais les deux équipes sont prises en photo, sont congratulées. Et c'est beau à voir. C'est beau parce qu'après cette période de pandémie, de pouvoir se ressaisir ensemble, c'est quelque chose de formidable. Et que faisons tous unisson pour que le Covid soit derrière nous.
Nous avons quand même quelques temps. Là, la mi-temps, restez encore. Vous avez encore le temps pour vous restaurer, pour vous prendre une petite collation, une petite mousse, une verveine, comme vous voulez. Vous pouvez prendre de l'eau à 10 degrés, à 30 degrés, à 50 degrés. Comme vous le voyez, gazeux, non gazéifié. Pour pouvoir arriver tranquillement pour cette deuxième mi-temps, pour pouvoir nous lâcher, parce que je pense que ces deux équipes ne se sont pas encore véritablement lâchées. Ils se sont un peu jaugés, mais ne se sont pas encore lâchés. Alors je vous laisse pendant 5 minutes et à tout à l'heure.
Eh bien, je pense que vous êtes bien restauré. La rencontre va débuter d'ici une trentaine de secondes. Et nos deux équipes sont allées prendre leurs consignes dans les vestiaires. Je pense que Joël Da Silva a pu donner de quoi pouvoir débloquer la situation, comme Daniel Deherme de ce club de Bière, pour pouvoir relancer son équipe et créer la surprise. Parce que ça serait une surprise quand même, parce que nous savons que Tremblay, normalement, c'est l'ordre. Avec nos amis ivriens, c'est les deux descendants de Pro League et qui arrivent et qui vont pouvoir surprendre cette équipe tremblaisienne à domicile. Petite anecdote quand même, il faut savoir que en 2016-2017, quand Tremblay fut champion de Pro League, au match aller, nous avons eu une victoire large à l'aller, mais une défaite au retour. Qui veut dire que cette équipe est capable de nous battre, même si nous avons quand même 5 ans passés. Après ce début de match, nous avons vu quand même l'équipe de Bière en possession du ballon perdre la balle sur un décalage. Petit quand même fait, nous avons dans les buts qui a commencé, nous avons Pierre Rubens qui débute la deuxième mi-temps. Nous avons aussi notre arrière-droit, Elias Boudjadja, le numéro 31 qui évolue au poste d'arrière droit avec une équipe relativement habituelle, l'arrière gauche qui est Adir Cohen, le demi-centre numéro 10 Marco Matiasevic, à l'aile Étienne Moquet, Marwan Chouef au poste de pivot et à l'aile Jordan Camareo. Pour l'équipe de Bière, c'est pas que je ne veux les oublier, malheureusement je n'ai pas tous les noms aussi faciles. Je tenterai au cours de mes interventions de vous donner à chaque fois les noms des joueurs qui sont sur le terrain. Oh, très très beau tir, très très beau tir à la hanche, à lampe, fait par Adir Cohen. Sur un tir coin long et qui ne trompe pas la vigilance du gardien. Tremblay marque le premier but de ce deuxième mi-temps. Les rotations défensives offensives sont faites par Bière. Le défenseur exclusif de Tremblay a pu rentrer sur le terrain, qui est en l'occurrence le numéro 75, Fabien Ruiz. Ah, main au visage, Fabien Ruiz qui conteste en disant non. À cela, il écope 1-2 minutes. Il aurait pu s'en sortir plus gravement que ça pour l'équipe de Tremblay parce que nous voyons encore De Santos Osvaldo encore au sol en espérant que ce 2 minutes ne se transforme pas en carton rouge. Je vais en profiter pendant ce court instant pour déjà vous dévoiler à peu près, dévoiler peut-être les stats de ce match qui est en train de s'effectuer. Parce que quand même, nous avons eu des buteurs, nous avons eu des informations que nous pouvons en avoir sur cette première rencontre, sur les buteurs. Sur qui déroule un peu mieux, sur là nous avons quand même, en allant sur le site LNH, nous voyons que Bière il y a 59% de réussite par rapport au tir et Tremblay à 58%, qui veut dire que c'est vraiment du coude à coude. Au niveau des pourcentages d'arrêt, nous sommes aussi à peu près pareil. Tremblay à 24 et nous avons Bière à 22. Très très bonne situation et bien exploitée, très beau schéma mis en place par Bière qui se retrouve son arrière en pleine course et qui finit à 6 mètres où Ruben Spear ne pouvait rien y faire malgré sa tentative de parade puisqu'elle touche
cette balle. Sortie du gardien, Tremblay évolue actuellement avec le but vide pour l'entrée du numéro 31. Et nous avons... Ah, c'est pas mal. Oh, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien défendu. Vraiment bien défendu, malgré que on aurait pu contester ce passage en force. Ça aurait pu... C'était peut-être contestable, mais comme je vous l'ai dit, et c'est sifflé admirablement bien, puisqu'en première mi-temps, nous avons eu la même situation. Nous avons eu la même situation où, à partir du moment que vous êtes en infériorité numérique, c'est pas des solutions relativement faciles. Très, 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 très bien joué. Très mal défendu, certes. Très bien joué, très bien attaqué. Où le gardien, par contre, le gardien tremblaisien Ruben Spier, qui nous fait sa première parade, qui va rentrer dans ce match. Mais il ne faut pas oublier que la passe de l'arrière droit pour le pivot dans le dos des défenseurs, c'est un bijou. C'est à regarder, à comprendre que à tout le monde qu'il faut toujours avoir un regard sur le porteur de balle et ne pas être sur le terrain, disposé sur le terrain à ne rien penser. Ah, ça y est, les deux minutes sont terminées. Égalité au niveau du score, 14-14. Là, on sent déjà un peu plus de rythme. On voit l'équipe biéroise en train de monter la balle systématiquement, à mettre le danger. Il y a un surnom, on va exploiter. Il est recherché. Il sera recherché. À ce petit jeu là, c'est Bière qui nous passe devant, qui passe à 15 à 14. Avec ce diable de Rémi Vergely, hein, comme je vous l'ai dit, ce fameux numéro 13, où tout le monde signale qu'il y avait zone, mais les arbitres n'ont pas sifflé. Et il faut quand même garder ça. Les arbitres sont maîtres du jeu. On aurait pu penser que sur le rapport de force que Tremblay allait être un peu plus saignant, mais ce n'est pas faute de... Parce que les Pyrénéens, ils savent tenir un ours. Ah, Étienne Moquet, oh c'est magnifique. C'est magnifique dans sa fixation, c'est magnifique dans la finition, car le gardien lui a vraiment fermé la porte en haut. Mais sous la vitesse d'exécution pour rabattre le ballon en bas. Je peux vous dire que là, c'est du très très beau spectacle au niveau du tir d'aile et voire même la disposition du gardien pour parader. Ah, très, très joli renversement. Ah, 7 mètres, pas de 2 minutes, ni pour Jordan Gamareo, non plus pour Marwan Chouef, et ça aurait pu, parce qu'il était passé dans l'intervalle, ça aurait pu. Là, nous avons actuellement, je pense que c'est le numéro 7, hein, qui nous a fait un joli chabala sur son tir précédent sur Cyril Dumoulin, désolé, qui se présente devant Rubens Pierre. Il a beaucoup de sang-froid et il le marque et c'est encore Billard qui repasse devant d'un petit but. Nous sommes à la 7e minute, à 6 minutes 37 exactement. Et nous sommes à la recherche de l'égalisation avant de passer devant. Et Billard, bien sûr, de ne pas prendre ce but. Oh, très, 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 très beau tir. Ah là, si vous voyez la vitesse réelle, ce qui vient de se passer sur ce changement de vitesse, nous avons eu ce Jordan Gamareo qui est papa maintenant, qui est papa de petit garçon.
Milo, il n'a pas pu assister au premier match pour parce qu'il était avec sa femme pour l'accouchement de son fils. Et là aujourd'hui, il nous montre toutes ses qualités. Et que nous les connaissons. Nous les connaissons. Parce que c'est un joueur qui évolue à l'ENA depuis un certain nombre d'années. Et qui ne surprend pas si en Pro League arrive à faire. Oh, à faire ce que je disais pour Jordan, à faire comme diraient les jeunes, à faire du sale, mais on dira à faire du bien à cette équipe de Tremblay. La jolie Chabala, malgré la parade, la main peut-être non ferme de Rubens Pierre, mais jolie Chabala, j'en ai vu des meilleurs, j'en ai vu des plus beaux, nous en avons vu des meilleurs. La petite remise en place de la construction, le bras n'est pas levé, on met en place très rapidement. Le demi-centre qui est maintenant Alan Vilmino profite de la rentrée. Profite de la rentrée de Étienne Moquet et profite aussi de tir contré pour tromper ce gardien. Et peut-être qu'il nous en font pour tromper ce fameux Joris Labro qui la touche malgré tout. Est-ce qu'on considère ça un CSC ou c'est vraiment Adil Cohen qui a marqué ce but? À vous de nous le dire sous le chat. On me fait dire que nous avons quand même la religion qui s'en mêle parce qu'on me parle de Messi et on est dans un pays laïque. Et c'est, je pense qu'il voulait parler du foot. Petite mise en place, pareil, ce numéro 11 qui met de la vitesse. Pareil, Dos Santos qui a déjà 2 minutes et qui défend plus à son poste habituel et qui nous montre ses qualités offensives. Il a réussi à faire sortir Fabien Ruiz tout à l'heure pour 2 minutes. Maintenant, arrive à perforer dans cette défense. Ce petit Santos, oh pas mal, Santos Osvaldo quand même ramène quelque chose d'intéressant. Étienne Moquet en contre-attaque. C'est quand même, nous voyons quand ce joueur est en pleine forme et en totale réussite. Étienne Moquet qui nous rajoute un but dans sa besace parce qu'il est maintenant, si je me souviens bien, à 4 buts. Mise en place de Bière, encore ce Osvaldo, mais qui bute sur Rubens Pierre. Osvaldo, quand même, il faudrait peut-être le faire sortir, puisqu'il a 2x2. Ah, malheureusement, la balle n'est pas récupérée. Osvaldo, attention, qu'il aille regagner très rapidement son poste 1, parce que, ah non, il défend en poste 2, à l'opposé du banc, il défend quand même en poste 2. Le score est pour Tremblay de 18 à 17. La petite essuage. Petite essuage, comme je vous disais, du terrain, parce que la sueur et les appuis ne font pas bon ménage. On le sait très bien, il faut que le terrain soit relativement sec pour que les appuis ne soient pas contraints à aucune glissade. Entrée de Jordan Camarero. Jeu à 2 pivots. Il reglisse encore à l'aile. Maintenant, c'est Étienne Moquet qui rentre. Toujours en jeu à 2 pivots. Ah, pas mal. Dommage qu'il n'arrive pas à convertir ce tir. Mais dans le duel, dans le jeu au proche, il donne des choses relativement intéressantes, ce fameux Elias Bouljaja. Alan Vilmino, ancien de Cesson, ancien de Montpellier, qui lui à son tour. Oh, arrachage, petit arrachage de maillot. Monsieur Bataille a été vu par la patrouille.
Il a été vu par la patrouille. Et ça discute sévère, ça conteste, ça en parle. Je pense que ça monte quand même en testostérone ici. Je pense qu'ils ont envie de montrer, c'est un sport animal quelque part. On sent bien que ce handball, c'est un sport animal. C'est celui, je ne dirais pas qu'il y en a la plus grosse, mais c'est celui qui en démontre le plus, qui finit souvent par gagner. L'équipe de Tremblay évolue actuellement en infériorité numérique, ils sont 5. Et nous avons Billière. Petit lapsus, énième lapsus. Billière qui joue à 6. Tout à l'heure, ils nous ont donné un joli jeu. C'était beau à voir dans la mise en place. Est-ce qu'on va encore se faire surprendre? Et apparemment oui. Apparemment oui, mais de manière pas au centre du terrain, mais sur les côtés. Ce qui paraît légèrement le plus évident de pouvoir gagner les côtés en infériorité numérique que se faire battre par le centre. Tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais c'est un joli mouvement offensif, mais pas forcément défensif. Ah, et voilà, comme ce match, hein, je vous le dis depuis le début, comme le début de ce match, hein, on est proche partout, on est proche au nombre d'arrêts, on est proche au nombre de buts marqués, on est proche par rapport au danger, et là on est même proche en termes de 2 minutes, parce que dans la foulée des 2 minutes de Tremblay, nous avons l'équipe de Billard qui est comme eux aussi en 2 minutes. À l'avantage, c'est qu'on pourrait avoir... On pourrait avoir, que je ne me trompe pas dans mes mots, on pourrait avoir 2 minutes. Oh là là, on pourrait avoir 1 minute de plus en supériorité. Et là, Elias Boudjadja qui signe son but. Il signe son but et délivrance même pour moi. Parce que c'est un garçon charmant. Je vous le dis, c'est un garçon énormément qui est charmant, qui est travailleur. Mais pour l'instant, n'a pas tous les fruits récolté à son arbre, parce que pour l'instant il amène des choses, il est là aux entraînements, il se bat, et là il nous donne un joli but. Ah dommage, ah il se bat, ah, c'est un beau joueur ce Jérémy Vergely, il se bat. C'était pas peut-être aussi pas un bon choix de lui donner la balle dans le sens de la circulation de balle. Là c'est déjà mieux. C'est déjà mieux dans son positionnement, c'est déjà mieux pour qu'on puisse retrouver ses partenaires entre chaque joueur. Ah, nous avons un peu d'habillage, de déshabillage. Et là, je pense que je ne savais pas que ce temps de balle masculin pouvait se jouer avec ce qu'on appelle vulgairement des soutifs. À mon avis, ça doit être un bonnet A ou un bonnet B, parce que ce n'était pas bien grand. Et là, pareil, hein, nous, on est proche dans le jeu. Pareil, on a la recharge du pivot. Pas systématique, ni comme Bière, ni nous. Ni Tremblay, bien sûr. Le « nous », c'est Tremblay. Mais on a un jeu relativement similaire dans les finitions, dans les actions. Et là, Elias, un peu timide. Il faut qu'il arrive à se décoincer. Jordan, il avait un pied à l'extérieur. Il a été vu par la patrouille, comme l'autre. Récupération de balle. Toujours pareil, on n'arrive pas à décrocher de cette équipe. On est comme les moules, hein, sur un rocher. On reste collés. Ou eux restent collés à nous. Alors, est-ce que Tremblay veut être proche de Billière ou Billière veut être proche de Tremblay? À vous de nous le dire sous le chat. À vous de nous le dire. Que pensez-vous de ça? Ah, c'est un petit jeu de dupe, hein. Il a raison, des fois le premier qui réclame obtient. C'est peut-être ce qui arrive souvent, mais là ce qui était demandé, c'est la balle qui allait au ballon. La balle paraît un peu humide, l'entraîneur adjoint a amené sa chamoisine, malgré tout, il n'a pas voulu
Pareil, circulation de balle, pareil, toujours pareil. Ça joue. Ah, pas mal. Rubens Pierre qui récupère cette balle qui, après un sublime arrêt. Je me tends vers la rencontre pour voir ce qu'il en est quand même. Hein. Ce qu'il en est dans les performances des joueurs. Est-ce que ce fameux Rémi Vergely que je vous parle très souvent, est-ce qu'il est enfin parmi les meilleurs joueurs de cette équipe? Eh bien non. Eh bien non, sous la LNH, nous avons Simone Mangion. Mangion, je suppose. Je prononce peut-être très mal, mais je vous demande de m'excuser. Nous avons Valentin Doudot. Et nous avons bien sûr Joris Labro qui est dans le top joueur de cette équipe de Bière. Et bien sûr, au niveau de Tremblay, nous avons Étienne Moquet, Adine Cohen et Cyril Dumoulin, malgré la rentrée de Rubens Pierre en tant que top joueur. Temps mort demandé par Tremblay. Et bien sûr, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un boucan monstre, qu'il y ait une demande de cadeau. Que ça crie, que ça chante, que ça demande des cadeaux. Et les enfants, et c'est une joie de voir ça, c'est la relève de demain. Les équipes, et je demande ça à tous les terrains, que les équipes nous montrent leurs jeunes, la relève de demain. Et c'est important. Fin du temps mort. Fin du temps mort. Le jeu va reprendre. Les rotations défensives, il n'y en a pas trop. Ce sont à peu près les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. Sauf Osvaldo qui n'est pas sur le terrain. Sachant qu'il est du mauvais côté. Mauvais du côté du changement. Elle a Étienne Moquet qui rentre tout de suite en deuxième pivot. Et là, Rios en face de Ruslan, l'ancien Tremblaisien, se retrouve un peu... Oh, pas mal, se retrouve un tout petit peu scotché. Et là, c'est Elias Boudjadja, sur une grande course, croise son tir avec une vitesse d'exécution. Il contourne la défense et... tir coin long. Petite mise au point quand même de Joris Labro et son coéquipier pour lui demander d'être mieux au compte pour mieux voir la lecture de tir. Oh, petit jeu rapide dans un secteur assez réduit. Malgré tout, tentative de roucoulette avec une balle qui n'a pas pris trop l'effet, mais Rubens Pierre n'était pas loin. Tout ça va le mettre en confiance parce que cette fin de match, cette deuxième mi-temps, c'est aussi le moment qui se donne à fond. Nous avons 17 minutes de jeu. Le temps passe vite. Nous avons deux buts. Nous avons deux buts d'avance. Je ne dirais pas que c'est le money time, mais c'est le moment de faire la différence. C'est à ce moment-là qu'il faut faire la différence. C'est à ce moment-là qu'il faut montrer ses coronets. Et c'est aussi valable pour Bière. Malheureusement, nous avons le ballon. Et heureusement, arrêt de leur gardien, Joris Labro, qui fait le travail. Ça remonte la balle. Et ça monte la balle. Ah ! On sent de l'envie. Personne ne veut lâcher le morceau. Comme dirait un ami à moi dans les années 90-2000, il ne faut pas lâcher le steak. Je ne sais pas où il avait pris, mais il avait raison quand même quelque part. Quand on a un bout de viande sous la dent, on ne la lâche pas. Osvaldo rentre pour l'attaque. Est-ce qu'il fera le changement pour la défense? À nous de voir. Petite mise en place. Il y a eu un changement de pivot. Daniel Deherme a préféré faire souffler Rémi Vergely pendant quelques temps afin de pouvoir remonter le score.
c'est à Tremblay d'en profiter pour que le travail soit vraiment efficace. Terrain mouillé, les jeunes U14 de Tremblay arrivent à assécher le sol avec leur petit balai que vous devez tous avoir chez vous, je pense. C'est un régal d'avoir ça. Bien sûr, ça ne va pas forcément sous tous les revêtements. Et je suppose que chez vous, vous n'avez pas de gerflore. Encore un deuxième tir audacieux. Nous avons un deuxième tir audacieux parce que l'ailier droit précédemment a fait un tir relativement fermé. Là, nous avons l'ailier gauche, pareil, avec beaucoup d'assurance. Heureusement pour Tremblay, le gardien fait l'arrêt. Tout à l'heure, c'était la roucoulette qui était peut-être mal ajustée. Là, c'est l'arrêt de Rubens Pierre. Remise en jeu de Rubens Pierre après avoir échangé le ballon ou essuyé le ballon parce que le ballon était glissant. Il y a un protocole aussi là-dessus et je ne vais pas m'épiloguer là, je ne vais pas être trop épilogué, juste pour vous dire qu'à partir du moment que le ballon va dans les gradins, ou est touché par un autre acteur que sur le match, il est demandé que le ballon soit essuyé ou changé. Tout ça, bien sûr, c'est des protocoles dus au Covid ou à la pandémie. La même chose. Là, montée inversée, perte de balle d'Elias Boudjaja, retour de Marco Matiasevic qui revient sous le repli défensif, Tahu garde le ballon. Je pense que là Tremblay a eu la petite crotte au cul. Et là, comme on dit si bien, un petit caca s'est fait. S'il y avait tir et réalisation en but de ce tir. Les supporters de Tremblay donnent de la voix, on sent bien, et des fois ça peut aider. Tir hors cadre de Rios, montée de balle systématique de Bière. Oh, c'est très très bien joué. C'est très 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 bien joué avec un gain de position de ce numéro 34 de Tarigo Valentin qui marque son deuxième but, à mon avis, selon mes fiches de stats. Il est à son deuxième but. Ça veut dire que, en faisant ces rotations, ils arrivent à rester à portée de fusil. Est-ce que c'est une bonne chose pour la suite? Je ne saurais vous le dire. Le bras va finir par se lever, puisque pour l'instant, il n'y a pas de mise en danger de l'attaque, de la défense. C'est très très bien joué, Tahu. Oh, joli arrêt. Je vous ai dit que ce gardien, il a de la présence. Il a de la présence et je pourrais même dire qu'il a de la prestance. Il est pas juste, il fait pas juste des parades. Il oriente bien son tireur. Il rentre dans sa tête. Malheureusement, Tahu, Lufuzutu, il nous ne ramène pas ce 22e but. Malgré la très très belle passe de Marco Matiasevic. Alors j'en profite pour vous donner quand même quelques résultats qui me sont donnés au Siola et bien sûr sur les LNH. Nous avons Sarrebourg qui tient tête à Celesta qui mène 25 à 23. Nous avons Ponto qui fait cavalier seul contre Angers 33 à 23. Et nous avons Cherbourg qui perd contre Valence chez elle 29 à 26. On me fait dire que Massy a perdu contre Nice. Je n'ai pas encore les résultats, je vous dis ça très très rapidement. Et là, on revient sur la rencontre. On revient sur cette rencontre où, ah là, franchement,
Qui va donner sa part aux chiens? Qui va se battre? La bergerie est revenue. Est-ce que les mouches ont changé d'âne? Puisque depuis un moment, nous avons mené au score. Est-ce que dans ce moment fatidique, on n'y est pas encore au Money Time? Mais est-ce que bientôt, on va se retrouver à se battre? Puisqu'on n'a pas enfoncé le clou. Ah, joli arrêt de William Spear. Rios qui se bat comme un loup, comme un diable. Et je ne vais pas dire que Rios s'est battu comme un ours des Pyrénées, mais il a pu y être. Le sol est encore humide, bien sûr, ça fait souffler nos joueurs. À cette 22e minute, il serait bien que, s'ils altèrent, nous avons notre ami Daniel Deherme qui n'a toujours pas pris son deuxième temps mort. Tout peut-être va dépendre de cette offensive, parce que s'il ne la prend pas là, il va peut-être la prendre après. Ah, Osvaldo, 2 minutes de Rio, je suppose. 2 minutes de Rios. Ah non. Ah. C'est bien ça. C'est Rios, après avoir fait un joli sauvetage. Eh ben, je ne dirais pas nous met en difficulté. Non. Non, bien au-delà. Mais en voulant bien faire des fois, eh ben, on a peut-être du déchet. Eh ben, c'est peut-être ça. Par contre, il faut soulever que Osvaldo a très très bien attaqué, malgré le déficit morphologique. Et ce petit sang-froid de ce numéro 7. Ce petit sang-froid de ce petit Eduardo Reg. Et que lui, eh ben, il a tout. Je ne dirais pas qu'il a tout tenté. Hein, mais il y est allé sans trop de difficulté à placer le ballon où il voulait. Et c'est très bien de voir une équipe comme ça évoluer sans complexe. À vouloir. Et c'est ce qui a tant tremblé pendant toute la saison. En démordre. Ah, un petit filou ce Marco. Il est filou ce Marco. Il a tenté, il n'a pas eu, mais malgré tout, il bénéficie quand même un petit temps pour pouvoir faire le changement. Il est petit filou ce Marco. Et là, nous avons quand même le DJ qui nous donne une petite musique pour peut-être nous déhancher, pour mieux défendre. Et il a choisi de nous mettre une petite musique avec un petit déhanchement possible. Est-ce que ça va aider notre Amblésien? Eh bien oui, le déhanchement défensif, eh bien oui, a permis à Ruben à fermer le premier poteau sur un tir haut. Go. Alors, le match est quand même tendu, nous sommes à 21-21. On n'arrête pas de le dire, que ça se tient mano à mano, mais c'est pas ce qu'on souhaite, ni pour Bière, ni pour Tremblay. Et ça, je ne le dis uniquement pour les supporters. Ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment le handball, ceux qui aiment une rencontre, les vraies rencontres, eh bien c'est ça. Dans un match, il faut 2 équipes. Et là, Bière nous démontre que c'est une bonne équipe. Tremblay nous démontre qu'il faudra compter sur elle. Osvaldo. Petite zone de sifflet. Souci, un poste de prédilection de demi-centre. Régule le jeu. Et on se replace. Souci arrière-gauche. Christian Moquet, ailier gauche. Demi-centre, Alan Vilmino. Elias Boudjaja, arrière droit. Tahu Lufunitu, ailier droit. Et nous avons Nal Léo Pivot. Nous avons le 22e but marqué par Souci. 25e minute de jeu. Ça y est. Maintenant. C'est maintenant que ça va se jouer.
Est-ce que c'est un signe? Nous avons un souci en feu. Nous avons un souci rageur. Nous jouerons même sans souci aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On le sent engagé. Est-ce que c'est un signe sous le résultat du match? Et derrière, nous avons Rubens Pierre. Rubens Pierre qui arrête une balle sans trop de difficulté non plus. Hein. C'est quand même au centre du terrain. Au centre du but. Où il a su la repousser. Et nous avons récupéré, bien sûr. Est-ce que Tremblay va pouvoir se mettre à l'abri? Il y a encore le temps pour Bière de récupérer cette balle. On remet encore le même système de jeu avec une variante. Oh là là, c'est Alan Villemilo. C'est Alan Villemilo qui surprend sur un tir premier poteau. Ce gardien qui m'a fait tant parler, qui m'a fait tant vibrer. Et là, je vous dis bien dommage pour un droitier à droite sur ce tir premier poteau. Il ne le fera pas deux fois. Il va boire de l'eau, il va revenir le plus fort. Et tant m'en demandé par M. Delerme Daniel. Là, il faut reconsidérer la situation. Nous avons deux buts d'avance. Tremblay a deux buts d'avance. Il reste 4 minutes de jeu. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Je vous rappelle, si vous suivez bien le handball, si vous suivez bien la Pro League, nous avons une situation relativement similaire. La semaine dernière, Bière, chez elle, contre Poto Combo, et s'est vu renverser la balance d'à peu près dans les mêmes conditions. Est-ce qu'elles ont tenu compte de ça et être capables aujourd'hui, eux à leur tour, de faire à Tremblay ce qu'ils leur ont fait souffrir la semaine dernière? Nous allons le savoir dans les 4 dernières minutes. Restez en ligne, supportez, tchatchez avec nous, dites-nous pour qui vous êtes, pronostiquez même, n'hésitez pas à nous donner le score final. C'est vrai que je n'ai rien à vous donner pour l'instant à gagner, mais j'essaierai les fois prochaines de mettre en place un petit jeu où vous aurez à gagner, si vous trouvez le score final, un cadeau au gagnant. Le jeu va reprendre. Balle pour Bière, balle très importante après un temps mort. Souvenons-nous qu'au dernier temps mort pris par Bière, il y a eu perte de balle. Là, cette fois, ça ne doit pas y ressembler. C'est pas mal joué. Balle contrée par les arbitres. Et c'est Amandine qui est très proche de l'action, qui a su le voir. Amandine. Amandine Vahé qui la siffle le 9 mètres. Nous avons celle qui est l'arbitre de zone actuellement, qui est Sauval Hélène, qui surveille tout ce qui contourne la zone et la prise en charge du pivot. Ah, c'est beau. Je vous le dis. C'est un virus. Pose la balle. Ok. Et à ce petit jeu, je pense que ce n'est pas le moment de râler auprès des arbitres pour les Tremblaisiens. Ce n'est vraiment pas le moment de contester quoi que ce soit. Bien au contraire. Par contre, nous voyons bien que Bière, ça leur donne la force. Et restez-y. Encore une balle récupérée par Tremblay malgré le temps mort. L'arbitre qui est ferme sur sa décision. Là maintenant, c'est les Biérois qui contestent la décision. Il reste 2 minutes de jeu. Il n'y a qu'un but. 2 minutes de jeu, qu'un but. Au niveau du tchatch, j'espère que vous donnez le maximum de vous-même. Vous pronostiquez, vous dites exactement qui pour vous allez gagner. Vous donnez le résultat final. Celui qui me donne le résultat final, le score final. Je ne sais pas par quel billet, mais on essaiera de lui trouver soit une place pour la fois prochaine, soit lui trouver un cadeau. Oh, Alan Villemilo, ce soir, fait un grand fou. Oh, c'est très très bien joué, c'est pas fini. Chaque balle est précieuse. Là, nous voyons Tremblay ne pas monter la balle.
y aller tranquillement, mais faites attention. Le jeu passif peut rapidement être levé. Faut pas que ça se voit trop quand même. Voilà, au moins dans les courses, on voit les gens courir. Dans les courses, on voit les gens courir. Temps mort de Da Silva, dernier temps mort posé par Joël Da Silva. Pour cette fin de dernière minute, il reste 50 secondes à jouer. Si vous êtes cardiaque, si vous avez un pacemaker, changez les piles, rechargez, prenez un port USB, branchez-vous, et vous en avez besoin pour la fin. Alors j'en profite pour vous donner, pour faire le tour des terrains, le tour des stades. Nous avons quoi actuellement? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons que Valence. Valence gagne Cherbourg à Cherbourg. Nous avons Angers. Angers qui a connu la spécialité pontelloise. C'est une grande défaite. Une grande défaite de 11 buts. Ils se sont poilés pour 11 buts sur Ponto. Je n'ai pas les stats, je n'ai pas les directs, je ne connais pas les circonstances du match. Et nous avons une surprise. Une surprise, c'est que Sarrebourg et Célestin se tirent la bourre. Ils sont actuellement à 27-27. Eh oui, c'est, désolé pour le jeu de mots. On revient sur la rencontre. C'est important de regarder ce moment fatidique. Il reste 50 secondes. Moins de 50 secondes. Balle pour Tremblay. Mis en place, le bras n'est pas levé. Un but d'écart pour Tremblay. Mise en place, Villemino qui est en forme. Ça rejoue 9 mètres. Le bras va se lever. Le bras va se lever. Je suppose que Étienne Moquet va rentrer en deuxième pivot. Non, apparemment, nous avons Tahu déjà en deuxième pivot. C'est joué. Nous sommes au moins à 3 passes. Il prend ses responsabilités. Met sous le visage. Met sous le visage à mes yeux. Mais pas sifflé. Mais c'est vrai que notre ami Souci a surjoué quand même l'action. Est-ce que c'est même pas lui qui a même mis la main de l'autre dans son visage? On se poserait même la question. Parce que c'est le fait de surjouer peut-être donne une connotation un peu dramatique. Mais non, elle n'était pas si grave cette faute. Nous sommes à 13 secondes du dénouement de ce match. 13 secondes, dernière passe et un tir hors cadre. Là, 9 secondes à tenir, 8 secondes. Balle à l'aile. Nous avons un 9 mètres. Nous avons un 9 mètres de sifflet. Là, actuellement, contestation autour du terrain. Dieu merci, aucun joueur n'a pénétré l'aire de jeu. Les arbitres sont outrés, les entraîneurs de billard sont outrés. Les joueurs de Tremblay sont tous assis, contrairement aux joueurs de billard. Ça conteste. Un tir à limite à angle fermé. Limite à angle fermé pour Tremblay. Mais on avait déjà vu des espoirs. On ne sait pas. L'année dernière, rappelez-vous, Tremblay-Toulouse, c'était dramatique. Et là, arrêt du contre. Et là, c'est une victoire de Tremblay sans que Bihan ait démérité dans ce match. Il y a victoire de but. Je pense qu'il faudra compter sur cette équipe de Bihan parce qu'elle a su voyager à Tremblay. Elle saura voyager ailleurs. Tremblay a su jouer, a su gagner. Ce qui est demandé à Tremblay, je pense, par ses instances, c'est de gagner match après match pour pouvoir se construire dans l'avenir. Et là, je pense que tout le suspense qu'il peut avoir dans ce match, vous pouvez comprendre que ce n'est pas évident. Là, les équipes se saluent. Je pense qu'entre eux, eh ben, c'est un match acharné. Il y avait une volonté de vouloir en découdre. Mais ils se sont respectés jusqu'au bout. Ce qui ne... Par contre, au niveau des dirigeants, je ne pense pas qu'ils ont les mêmes discours. Le respect est donné, mais il y a un peu de contestation. Ce qui est dommage et ce qui est un peu normal au vu si on regarde but après but, comment ça s'est construit ce match.
une fois de plus, Tremblay a démontré que défensivement, elle sera là. Elle répondra présente. Puisque nous encaissons, l'équipe de Tremblay n'a encaissé que 23 buts. Malheureusement, petit bémol qu'on a su constater, c'est qu'elle ne marque pas tant de buts que ça. Elle est encore à 24. Elle est encore à 24, moins de 25 buts. C'est pas là qu'on les attend. On les attend uniquement dans la victoire. Je pense que tout Tremblayzin qui se respecte attend Tremblay uniquement dans la victoire. Quelle que soit l'équipe qu'elle rencontre. Là, c'est ce qui a répondu dans le contrat. Et je pense que défensivement, au vu des gardiens, au vu des joueurs proposés dans cette équipe, oui, ça sera le côté défensif qui sera mis en avant. J'espère que ce match vous a plu, que ça vous a plu, que vous avez, comme disent les jeunes, aujourd'hui, si vous avez kiffé, vous avez mis tout ce que vous avez devant votre écran, mais n'hésitez pas à venir au palais. Au palais, c'est quoi? C'est la bodega, c'est le coin VIP, c'est la cabine photo, c'est la boutique, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'effervescence qu'il y a. N'hésitez pas de venir sur place parce qu'il y a une vie au Palais des Sports. Pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, je serai là pour tous les matchs, pour tous les matchs à domicile. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous le 15 octobre. Prochain match qui est contre Dijon, qui est aussi une équipe à la hauteur de Bière. J'espère qu'on va pouvoir passer un cap. Je vous donne rendez-vous le 15 octobre. Chez vous ou au palais pour une nouvelle victoire. Alors merci à tous et bonne soirée à vous, bon week-end. À vous les studios. Je vais aller me saouler. Tu veux venir dans mon royaume? Teddy! Bravo, moi! Et c'est le côté extrême du petit, nous avons